Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà réunis pour une nouvelle rencontre de notre série Cap sur Jésus. J'espère que vous allez bien et en tout cas que vous passerez ce soir une agréable soirée, un agréable moment en notre compagnie. La dernière fois, nous avons parlé de la mort en tentant de répondre à une question difficile. Qu'y a-t-il après la mort? Et là, nous avons découvert que la Bible nous parle d'espérance. Ce soir, nous allons nous interroger sur une autre question, une question que je vous propose sans plus tarder de découvrir en images. La vie suit son cours, les heures, les jours, les semaines, les années passent, et où allons-nous? C'est vrai, ce n'est pas forcément une question que nous nous posons tous les jours, tant nous sommes occupés à vivre. Mais le temps s'égrène. Le temps de nos vies que nous savons limiter, mais également le temps de la planète. Et le compte à rebours continue. Chacun a sa petite idée sur la manière dont la vie a commencé sur cette Terre. Mais comment tout cela va-t-il se finir? La pollution, sous ses multiples formes, tout aussi tragiques les unes que les autres, aura-t-elle raison de nous? Ou bien simplement, un astéroïde se dirigera à grande vitesse vers la Terre pour ne pas la frôler cette fois-ci. La vie se déroulera sans que nous ne nous doutions de rien. Puis ce sera l'impact. Ce soir, Dieu vous fera la plus belle promesse que l'on puisse vous faire. Surprise. Alors ce soir, à notre habitude, nous avons un invité. Cette fois-ci, c'est un artiste qui est chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Gaël Cosandet. Gaël, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Donc Gaël, je t'ai présenté comme un auteur, compositeur, interprète. Et précisément, l'autre jour, tu chantais une chanson, un texte que tu as écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis on en a parlé. On en a parlé par rapport à notre thème de ce soir. Puis là, on s'est dit, tiens, ce serait vraiment chouette que tu puisses être là. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler du texte de cette chanson? Disons, le texte, en fait, il raconte l'histoire d'un gars comme toi, comme moi, qui vit sa vie, métro, boulot, dodo, et puis qui peu à peu se rend compte de l'absurdité du système dans lequel il vit. C'est, par exemple, il travaille... Moi, j'ai envie de te couper, je sais, c'est très impoli de faire une chose pareille, mais quand je t'entends dire « par exemple », j'ai peur que tu donnes des exemples de la chanson, puis que ce soit un petit peu éclaté. Alors, attends, laisse-moi une petite seconde. Tu reconnais? Tu reconnais bien. J'ai connu. Tu veux pas plutôt nous la chanter? Ça te prend pas trop? Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, du coup, c'est bon? On y va? On y va, quand tu veux. Voici ma trouvaille, il faut que je travaille, bosser plus, encore plus, faire le marché aux puces. Je serais bien fatigué, mais j'aurais bossé assez pour prendre des vacances et sortir de la danse. Alors je pourrais bouffer pour 3 centimes dans un McDo chinois, me faire un safari à la Out of Africa, me faire cirer les chaussures par un gosse du Mexique, me faire piquer ma voiture et mon sac et tout mon fric. Mais pour être à l'aise, il me faut encore du pèse. Je vais travailler encore, de toute façon, je suis jeune et fort. Je serai bien fatigué, mais j'aurai bossé assez pour acheter à bas prix ce que les autres auront produit. Vive la fête, faut pas que ça s'arrête. Faudrait pas se retrouver coincé du mauvais côté. Vous comprenez la concurrence, faudrait pas perdre notre avance. Alors consommons mes amis, faut pas se faire doubler par l'Asie. Je sens que tout ça se craquelle. Et alors que le fric m'appelle, non, 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 j'en peux plus. Non, 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 et encore non. La terre a perdu la tête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que je m'arrête. Il faut que je change. Il me faut un cœur de rechange avant que vienne.
comme des jouets cassés dans nos mains. Comme des jouets cassés dans nos mains. Merci Gaël. Alors ce texte, comment il était venu ? Pour cette chanson, c'est assez particulier puisque j'ai eu l'occasion de vivre en Afrique pendant un certain nombre d'années, puis de revenir en Europe et maintenant je travaille dans une boîte d'informatique, d'information boursière. Mmh. Et je dirais que le fait d'avoir vécu ces deux mondes, le choc de ces deux mondes est assez, je dirais, assez difficile à supporter. En Afrique, j'ai vu qu'il était possible qu'un enfant, quand il est malade, qu'il n'y a pas l'argent pour payer les médicaments, l'enfant risque de mourir et meurt. Alors qu'ici, je me rappelle quand je suis revenu, j'entrais dans les supermarchés et je voyais toute cette abondance autour de moi. Et en même temps, les gens se plaignent. Mmh. Et c'est vrai que ces deux mondes, ces deux systèmes, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Et de voir une telle différence, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Alors, oui, je suis bien d'accord avec toi, mais quelque part, est-ce que c'est pas une fatalité ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? J'écris des chansons. Mm-hmm. Ça me permet de dénoncer, ça permet aussi d'exprimer la colère ou ce que je peux ressentir. C'est vrai que je suis conscient que ça n'a pas forcément un impact extraordinaire. Je ne suis pas inactif non plus, mais c'est vrai qu'en fin de compte, et c'est ce que dit la chanson à la fin, quelque part, je crois que là où on va, c'est vraiment cette image qu'on va se retrouver avec des jouets cassés dans les mains, quoi. Gaël, merci beaucoup d'avoir échangé ces instants avec nous. Et je te propose d'écouter les enfants parce que nous leur avons posé cette même question. Où va-t-on ? Comment l'histoire de l'humanité va-t-elle se terminer ? Je sais pas. Non. Oui. Tout ça, ça va se terminer comment ? Dieu, il va faire arrêter tout ça. Bien. Ça va se terminer en mort. Ça finira quand Dieu viendra. Faire des gens qui seront morts. Quand Jésus revient. Quand Jésus sera revenu, ça se passera bien. Tout le monde va aller au ciel avec lui et il va brûler la terre. Puis après, il va faire comme un monde nouveau pour nous et puis on pourra vivre sur la terre. Nous arrivons difficilement à imaginer que l'histoire de l'humanité prenne fin. Oui, c'est un peu cela. Ça pourrait être l'affiche d'un film, et en même temps, c'est une question bien réelle. Où allons-nous ? L'idée d'une fin définitive. Nous ne parvenons pas à nous y faire. Nous ne parvenons pas à nous y faire, pas plus qu'à la mort. Nous voulons croire qu'il y a quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, chacun y va de son petit commentaire. Écoutez plutôt. Yes. Il y aura sûrement quelque chose un jour qui va se passer. Not in my lifetime. Well, it can end as you remember what happened to the dinosaurs. When that asteroid struck the surface of this earth, it can happen anytime again, Dans longtemps, s'il y a une fin du monde, c'est dans longtemps. Quoi, je serai morte? Ouais, je serai déjà morte, donc. The world will be someday. That's it. Ah non, une fin du monde telle que le prévoit la Bible, etc. Je crois pas que c'est cela. Louis XV, il disait, après moi, la vieille terre ne tournera plus, mais elle tourne encore. Alors après moi, elle tournera encore. No, I don't think so. No. No. Je crois pas. J'y crois pas. Non, pas du tout. Non, la fin du monde, c'était le 11 août, le jour de l'éclipse, là, il y a quelques années. Ah non, mais le monde, il est déjà fini, là. It's all getting worse, so I don't know. Maybe. With the technology, the kind of technology we're, trying to develop now,
sometimes somebody can use that same technology to, you know, destroy the whole planet. Who knows? Bon, je sais pas, je pense pas à ces trucs-là. Ça te perturbe la tête après. Voilà. Jésus fut un jour pris à partie par des pharisiens qui lui reprochaient de n'être qu'un égocentrique qui cherchait à se mettre en avant. Jésus va leur répondre et dans la réplique qu'il va leur donner, il y a cette phrase étonnante. « Je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas où je vais. » Pour lui qui était tellement inspiré, imprégné des Écritures de la Bible, nous sommes en droit de penser que de telles certitudes ne pouvaient lui venir précisément que de la Bible. Oui, la Bible parle de notre histoire, elle le fait par des prophéties. Les prophéties sont des repères qui sont un peu comme les bornes qui jalonnent une route. Au fur et à mesure que l'histoire avance, ces bornes nous permettent de savoir où nous en sommes et également où nous allons. Ces jalons, ces bornes, ce sont les prophéties. La Bible nous rapporte qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Nabucodonosor, connu aussi sous le nom de Nebuchadnezzar, déporta une partie du peuple juif dans son empire, l'empire de Babylone. Un jour, ce roi fit un rêve qui le troubla, mais au réveil, il ne parvint pas à se souvenir de quoi il s'agissait exactement. Il convoqua alors tous les savants de son empire pour leur demander de lui révéler non seulement le sens de ce rêve, mais avant tout de lui dire de quoi il avait rêvé puisqu'il ne s'en souvenait pas. Alors naturellement, les savants furent un peu désemparés, vous reconnaîtrez que nous le serions pour moins que cela. Mais le roi fut furieux devant leur incompétence et il décréta que ces savants devaient être mis à mort. Daniel entendit parler de cela. Daniel était un jeune juif qui faisait partie des déportés. Il entendit parler donc de cette sentence et proposa de donner au roi une explication. Il se retira, il pria, et Dieu lui fit avoir le même rêve qu'il rapporta au roi. Il commence son explication en lui disant « Mon roi, aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun de ceux qui lisent dans les étoiles n'est capable de raconter le rêve mystérieux que tu demandes d'expliquer. Mais dans le ciel, il y a un Dieu qui connaît l'explication des mystères. » Daniel va donc s'adresser au roi et va lui raconter que le roi avait rêvé d'une magnifique statue, si grande qu'elle faisait peur. La tête de cette statue était en or fin, sa poitrine et ses bras en argent. Sa taille était en airain, ses jambes étaient de fer, tandis que ses pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Daniel expliqua au roi que dans son rêve, cette statue était là, gigantesque, immobile, impressionnante, et que soudain, une petite pierre s'est détachée d'une montagne. Cette pierre frappa le colosse aux pieds d'argile, comme le chante Renaud dans une chanson qu'il interprète avec Axel Red, et la statue, sous cet impact, vola en fumée. Et Daniel va aller plus loin, il va révéler au roi le sens de ce rêve. Il va lui dire « Tu es le plus grand de tous les rois ». Le Dieu qui est au ciel t'a donné le pouvoir royal, la puissance, la force et l'honneur. Il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux et les oiseaux, partout où ils habitent. Il t'a établi comme maître sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Oui, il y a de quoi flatter l'orgueil du roi. Et pour nous, il y a de quoi trouver non seulement un début d'explication, mais également une date. Une date puisque nous savons que l'Empire babylonien va durer de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Mais Daniel est loin d'avoir terminé son explication. Comme l'argent est moindre que l'or, il annonça qu'un autre royaume allait venir ensuite, un royaume moins puissant que celui de Babylone. Ce deuxième royaume devait correspondre à la partie en argent. L'interprétation n'est pas difficile, car Daniel lui-même assista à l'apogée de ce royaume qu'il nomme, il le nomme dans son livre, ce sont les Mèdes et les Perses. Un empire, c'est vrai, moindre que celui de Babylone, et notamment un empire caractérisé par l'emploi
de l'argent comme unité de taxe. Ce royaume dura de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Au roi, poursuit Daniel, un troisième royaume représenté par l'airain s'étendra sur toute la terre. C'est donc dire qu'il dépassera de loin tous ceux qui l'ont précédé, et de fait, l'empire qui fit chuter les Mèdes et les Perses n'est autre que l'empire grec. C'est la grande conquête d'Alexandre le Grand. Cet empire qui s'érigea à une vitesse incroyable était caractérisé par l'emploi de l'airain dans toute son armurerie. D'ailleurs, Hérodote rapporte que ces Grecs furent appelés les hommes d'airain. Ce royaume dura jusqu'en 168 avant Jésus-Christ. Daniel poursuivit avec la quatrième partie de la statue, un quatrième royaume, vous l'aurez compris. Ce royaume sera dur comme le fer, dit-il. Le fer casse tout, il écrase tout, il réduit tout en poussière. Eh bien, ce royaume écrasera et brisera tous les autres royaumes. Le passage de l'ère de l'airain à l'ère du fer marque ici le passage de l'Empire grec à l'Empire romain. Un empire très spécifique et qui fit de nombreuses conquêtes, qui mit sur pied un système administratif très sophistiqué. Alors bien sûr, un empire dont l'armée est de fer et dont l'administration est aussi solide ne pouvait que durer. Durer de 146 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Ensuite, il n'y eut plus de royaume de cette étendue. Il y eut des tentatives, comme avec Napoléon par exemple, mais rien de comparable. L'Empire romain vola en miettes, tout en laissant des traces politiques, des traces culturelles, religieuses, pour les siècles suivants. De Rome, il ne reste que cette empreinte encore présente aujourd'hui, mais plus véritablement un empire. C'est ce qu'annonçait la prophétie par les pieds en argile et en fer. Cela signifiait un mélange de force et de faiblesse. Cela signifiait, en somme, la fragilité. Eh bien, dit Daniel, dans ce royaume divisé, il y aura des tentatives pour faire des alliances, mais ce ne sera pas du solide. Aujourd'hui, les unions politiques se multiplient, les tentatives d'union de toutes parts, mais le monde reste étonnamment et cruellement morcelé comme cela avait été annoncé. Mais la prophétie ne se termine pas là. Daniel termine son explication au roi en disant que dans cette période de division, de fragilité, un nouveau royaume arrivera. Mais ce royaume sera d'une autre nature, suscité par Dieu lui-même, et il durera pour toujours. C'est la petite pierre qui s'est détachée toute seule de la montagne. Elle a écrasé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or de la statue. Elle représente ce royaume. Daniel ponctua son explication en disant « Le grand Dieu t'a fait connaître ce qui arrivera plus tard. Ton rêve représente vraiment la réalité et mon interprétation est digne de confiance. » Un autre royaume doit donc encore venir. Il sera d'une autre nature que ceux qui l'ont précédé. Il sera éternel. Il sera amené, provoqué par la petite pierre qui se détache de la montagne. Or, la montagne, dans la culture babylonienne, représentait l'habitation des dieux. Ce royaume viendra du ciel. Il dépassera tous les royaumes que l'humanité a pu connaître et il subsistera à toujours. Ce royaume sera édifié sans aucune aide humaine. Il est d'essence divine. Alors c'est vrai, la fin de cette prophétie peut nous paraître étrange. Un royaume divin qui met fin à l'histoire de l'humanité sous sa forme actuelle, et ceci pour établir une nouvelle ère qui ne cessera jamais. C'est vrai, il y a de quoi susciter l'étonnement. Mais tout comme il est étonnant que tout le reste se soit accompli avec tant de précision, pourquoi en serait-il autrement pour cette dernière partie ? Les repères donnés par cette prophétie nous concernent de près.
Nous vivons une époque où toutes sortes d'alliances sont tentées. L'ONU prétend être la garante de l'ordre mondial, mais recense des dizaines de conflits militaires armés dans le monde. Nous sommes les pieds en argile et en fer de la statue. Nous sommes dans la dernière phase de l'histoire de l'humanité. Un royaume suscité par Dieu lui-même, et que rien ni personne ne pourra jamais anéantir. Voilà ce qui nous attend. Quelles seront les caractéristiques de ce royaume ? La Bible nous en donne quelques-unes, parmi lesquelles j'ai retenu celle-ci pour notre entretien. Tout d'abord, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et cet autre texte, Dieu va habiter avec les hommes, ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Une ère où le mal ne sera plus. Plus de souffrance, plus de peine, que du bonheur. Un royaume de paix, un royaume d'amour. La vie, quoi. Ça semble si beau que l'on ose à peine y croire, et pourtant ça s'accomplira comme c'est accompli tout le reste. Génial. Oui, génial, mais c'est pour quand ? C'est pour quand ? Jésus a clairement dit que personne ne le sait. Il dit, cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. Nous ne savons pas quand, mais une promesse a été faite. Elle a notamment été formulée de cette manière par Jésus. Ne soyez pas si inquiets. Ayez confiance en Dieu. Ayez aussi confiance en moi. Je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit à cette occasion, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Nous ne savons pas quand, mais nous connaissons l'accès. Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est l'assurance de vivre dans ce royaume éternel lorsqu'il sera mis en place. Alors oui, bien sûr, peut-être pourrez-vous me dire que ça fait déjà 2000 ans. Peut-être pourrez-vous me dire que ces éléments ne sont pas suffisants pour dire que nous sommes très proches de ce moment. De toute façon, lorsque nous parlons de la fin, il y a une autre réalité, celle du terme de notre vie. Comme Daniel l'avait bien dit au roi babylonien, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères et qui fait connaître ce qui arrivera dans la suite. Oui, moi aussi, j'aime bien les livres qui ont un happy end. Et la Bible, particulièrement l'Apocalypse, se termine par un happy end. Le temps de ma vie, aussi insignifiant soit-il à l'échelle du temps de l'histoire et de la planète, est déterminant en ce qui concerne ma participation à ce recommencement. L'avenir peut être plein d'incertitudes, mais elles sont toutes balayées par l'espérance que nous donne la Bible. Ainsi, comme Jésus, nous pouvons dire que nous savons où nous allons. Encore faut-il que nous l'acceptions. Si Michel Polnareff a chanté « On ira tous au paradis », ce n'est pas la chanson de Dieu. Non, ce n'est pas la chanson de Dieu. S'il ne souhaite, il est vrai, la mort de personne, nous avons déjà vu cela dans les entretiens précédents, il ne veut pas non plus forcer qui que ce soit. Il y a devant nous le bien et le mal. Il y a en d'autres termes la vie et la mort. Il y a devant nous l'amour de Dieu exprimé sur la croix. Il y a devant nous le salut en Jésus-Christ. Dieu attend que nous choisissions. La semaine prochaine, nous aborderons un thème plutôt étonnant que je vous laisse découvrir en images. Cet homme a un procès. Il va passer au tribunal pour répondre à des accusations. Ce procès, c'est le sien. Ce pourrait être le nôtre.
ou même celui de Dieu. Oui, parce que Dieu est en procès. Il doit répondre à bien des accusations. Déjà, celles que nous lui lançons, ou nous l'accusons de tous les maux. Mais il y a plus encore. La Bible parle d'un procès qui dépasse largement le cadre de notre petite vie. C'est un procès dont l'enjeu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu est assigné en justice, et bien que son seul souci soit l'intérêt de l'être humain, il doit absolument être reconnu pour ce qu'il est, le Dieu d'amour. La Bible déclare avec fermeté que Dieu sortira vainqueur de son procès. Cette victoire, ce sera aussi la nôtre. Parce que le drame de l'humanité et le procès de Dieu trouvent leur solution dans un même événement, la croix. En partant, Jésus a lancé un appel à témoins. La semaine prochaine, nous allons découvrir les tenants et les aboutissants du plus grand procès de l'histoire. Et accrochez-vous, votre vie va prendre un sens extraordinaire. Curieux ? Oh, nous le sommes tous un petit peu. Vous aimeriez en savoir un peu plus sur ce procès de Dieu ? Alors, à la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous.